Voilà les amis, je vous passe un petit morceau de basse expérimentale, comme vous savez, que j'aime bien. Je vais vous faire écouter tout de suite. Et donc sur les attaques, tu sens qu'il y a de la. Tu sens que le bas médium, tac, ça tape bien, mais j'aime bien la rondeur de la maniate au niveau du grave. Après, toujours en globalité, la maniate, je trouve qu'elle est plus. Elle s'en sort mieux sur ce style musical. Et bah, tu vas le voir tout de suite. Donc je te fais écouter. Terminé. J'ai pas eu le temps de vous dire la suite, les gars. Donc, il y a un truc que je voulais vous dire, c'est que pour ceux qui écoutent au casque, forcément, vous allez entendre beaucoup de détails, tout ça. Ne vous y méprenez pas, c'est pas parce qu'au casque, vous allez entendre que les Eltax, il y a un bel aigu, tout ça, que c'est forcément plus agréable. Moi, je vous dis, les maniates sont plus équilibrées. Et sur les Eltax, tu as toujours cette petite prédominance de l'aigu. Après, encore une fois, tu peux arranger ça grâce au mariage avec l'ampli. Moi, je préconiserais plus du tube avec ces enceintes-là pour leur donner une petite, leur apporter cette chaleur. Voilà, un ampli doux, pas un ampli trop dynamique parce que bah, du coup, ça ira pas avec. Et voilà. Mais donc, tu as pu voir déjà que là, dans le son, là, je trouve que c'est le son de l'Eltaq, c'est sec. Après, là, tu as vu, tu as une belle rondeur, mais voilà, c'est moi j'ai encore la préférence pour la maniate. Je vais te passer un petit solo de drum en batterie, tu vas voir ce que ça va donner. Allez. Hop. T'as vu là comment je suis en mode speed?
Le père Nico, il fait ça, mais ça va, au moins c'est clair, c'est net et c'est précis.